Eh bien, salut à tous, c'est Loul5100 et on se retrouve, enfin on se retrouve, oui, hein, parce que c'est pas le premier let's play que je fais, mais en tout cas, on se trouve pour le premier let's play de Heavy Rain. Heavy Rain, un jeu fait par Quantic Dream qui était sorti sur Play 3 à l'époque et que là on va se faire sur PS4. C'est un jeu, c'est un bijou, franchement il est génial, on joue 4 personnages différents. Ce monsieur que vous voyez, et puis je vais pas en dire plus pour pas spoiler. Et 3 autres persos qu'on découvrira au fil de l'aventure. Alors je veux pas spoiler parce que j'ai déjà fait le jeu, je l'ai déjà fait 3 fois parce qu'il faut savoir qu'il y a 24 fins différentes. On va le laisser dormir pendant que je parle. Et j'ai dû voir 3 fins différentes. En fait, vous pouvez terminer le jeu avec un seul personnage vivant, tous les personnages morts. Enfin voilà, c'est un sacré bordel. Et le scénario est tout juste prenant, mais il est génial, c'est un super polar. Que je vous invite donc à découvrir maintenant. C'est Loul5100 et on est parti. Allez, on se lève, Gary. Alors déjà sur Play 3, le jeu, il était beau, mais je crois qu'ils l'ont un peu retouché pour la PS4. Ouais, j'ai la tête dans le cul, mais bon, on va se lever doucement. Attention, lombaire. Ah, je l'ai fait. Allez, découvrons le jeu ensemble. Oui, c'est beau. C'est très joli. Alors, par contre, pour bouger la caméra... Je sais pas trop comment j'ai fait, mais j'ai bougé la caméra. Ou alors c'est parce que je fais rien, que ça bouge tout seul en fait. Bah, d'ailleurs, on va bouger de là, hein. Allez. J'ai une belle maison, hein. Petite photo de mariage. Oh, elle est belle, ma femme. Je suis plutôt pas mal aussi. J'ai pas trop une sale gueule, on va dire, hein. Ah, peut-être s'habiller. Non? T'as pas envie? Tu vas rester en Mulburn? Ah, non. À tout moment, écoutez les pensées de votre personnage en appuyant sur L2. Je vais aller prendre une douche et m'habiller avant de descendre. D'accord, ok. Donc la douche est en haut. Si, je peux changer la caméra avec L1 en fait. Bon. Je suis parti faire des courses. Je passe prendre les enfants à l'école à midi. Et je rentre préparer l'anniversaire de Jason. Ne travaille pas trop. Je t'aime. On a une petite femme attentionnée, un oiseau. Salut toi. C'est quoi ça? C'est un G, une mésange? Je suis pas un spécialiste en ornithologie. Un petit pipi. Ah ouais, hein. Allez, on vient de se réveiller. On tire la chasse, c'est mieux. Donc il y a énormément d'interactions comme ça avec le décor. Ah ben, la salle de bain. À se brosser les dents. Ok, alors là on se coule la manette pour se brosser les chicots. J'espère que ça s'entend pas dans le casque et que ça bouge. Et du coup on a l'air un peu con sur le canapé là, hein, à secouer la manette de haut en bas, de droite à gauche. C'est un jeu qui peut aussi se faire avec le PlayStation Move, d'ailleurs. Ok. Donc c'est lentement avec le joystick quand il y a les pointillés.
On peut se laisser le bouquet d'astache? Non. Rasé de près partout. Bon, il me ressemblera pas trop. Ouais, je suis mal rasé, j'ai de la beubare, un bouc, une moustache. Voilà. Peut-être qu'un de ces quatre, j'arriverai à foutre ma tronche sur les vidéos. Mais ouais, t'es beau gosse, Gary. Oui, il est content, hein, ouais, on est bien réveillé. C'est sûr, c'est pas moi, hein. Je suis pas du matin. Qu'est-ce qu'on fait? On prend un bain, une douche? Ouais, la douche peut-être plus rapide. Tournez la tête pour voir les actions possibles. Regardez la douche avec le joystick gauche. Ok. Allez. Ça va les filles, vous êtes contentes? Vous êtes rincées l'œil? Enfin, il y a peut-être aussi des hommes qui aiment les hommes qui regardent la vidéo. Hein, donc ça va les mecs, vous êtes bien rincées l'œil? Ah, c'est de la douche express ça. Hein. J'ai pas un poil, je suis un berbe. Allez, on sèche la tête, on secoue la manette. Mais qui se sèche comme ça? Personne. Ah, on a quand même changé de caleçon. On n'est pas un gros crado. Allez, maintenant on peut aller s'habiller. Ok, L1 pour les angles de vue, donc c'est ce que je disais tout à l'heure. Hey, ça va, je suis bien habillé. C'est marrant, je crois que j'ai le même jean. Ou que je l'avais. Allez. Va habiller des contracts, ça me plaît, ça me va. Va regarder la chambre des enfants. On va visiter toutes les pièces, des fois qu'il y a des trucs à ramasser. Ou des petits trophées à débloquer aussi. Hein. Ok, allez. Donc les petits QTE, va y en avoir tout au long du jeu. Hein, dans les phases d'action. Et dans les petits moments comme ça. Encore? Allez. Comme une quiche. On va pas rester sur un échec. Joli. On a le coup de main. Pas pourquoi je sens le petit trophée à la con. Non, bon, tant pis. Pas de trophée, on aura fait ça pour rien. Ok, la chambre de mes enfants. Apparemment, sont deux, il y a un lit superposé. Allez. Ah, qu'est-ce qu'il y avait? C'était encore les balles? Ouais, non. C'est bon, on a assez fait mumuse. On va aller travailler. Hey, des décorations et un anniversaire. Les pensées du personnage varient en fonction de la situation, veillez à les consulter régulièrement. D'accord. Alors. Je crois qu'une tasse de café me ferait du bien. Ok. Alors, trouvons la cafetière. Rien de spécial, j'habite un joli quartier paisible. Alors. La cafetière, elle est pas là. Il y a quoi dans le frigo? Gâteau d'anniversaire. Tiens, boire un petit peu de jus de fruits. Eh, faut secouer, sinon la pulpe reste en bas. Allez, on remet les germes dans le frigo. Cadeau les enfants. Ah, la cafetière, je crois qu'elle est là.
C'est du rapide. Attention, c'est chaud, te crame pas la gueule. Hein. Voilà, on a eu un petit café. Il fait un temps magnifique dehors. Je pourrais en profiter pour aller un peu traîner dans le jardin. Ouais, mais je crois qu'on doit travailler. Ouais, bon, ça va, on va s'y mettre, on va travailler. C'est sympa le petit délire. Voilà, on s'est bien détendu. On va pas aller dans le jardin. On va aller bosser. Qu'est-ce que... Serais-je architecte? En fait, j'ai vraiment pas envie d'aller bosser. Hein. Je traîne depuis tout à l'heure. Il y a quelque chose là? La télé. Ah, il y aurait eu une chaîne, j'aurais mis de la musique. Ah ben voilà. Quand même toujours mieux de bosser en musique et puis ça fera un petit fond sonore. Allez. Eh ben, la musique fut courte. Donc les jeux de Quantic Dream, comme vous pouvez le voir aussi, c'est des ambiances, des moments posés, où on prend le temps de se mettre en immersion. Ok, maintiens enfoncé toutes les touches jusqu'à ce qu'elles disparaissent. Ah, ça, c'est ce que j'aimais pas. Dans les moments de stress, c'est atroce. Des fois, faut y aller avec le nez. C'est un truc de dingue. La tronche écrasée sur la manette pour appuyer toutes les touches en même temps. Ça va, on bosse bien, hein. Donc là, faut tapoter quand la touche est comme ça à l'écran. Eh, franchement, on aura bien bossé et en plus très vite. Peut-être aller prendre l'air dans le jardin. Donc voilà, cette petite intro calme aussi nous permet de nous mettre les touches en main. Parce qu'après ça va s'enchaîner dans certaines phases, parce que oui, le jeu bouge mine de rien, hein. Il y a quand même pas mal de moments posés où c'est le scénar et l'immersion qui nous prend, et d'autres où c'est du stress et il faut rester accroché. Vraiment, franchement, c'est un très bon jeu, je vous le conseille. Et même si vous regardez mon let's play, si vous faites des choix différents, et ben vous découvrirez une nouvelle histoire, et voilà, ça c'est bon. J'ai bien avancé sur les plans. Ça devrait être terminé pour lundi. Eh, on a bien bossé, Gary. Alors. Anniversaire, travail. Bientôt midi. Grace et les enfants ne devraient pas tarder. Et du coup, on fait quoi? On met la table?
J'espère que Grace aura trouvé le cadeau pour l'anniversaire de Jason. Ça va, il a l'air gâté, il y a pas mal de paquets. On va se remettre de la musique ou pas? On étouffe ici. Un courant d'air ferait du bien. Ah, bah on va ouvrir la véranda. Non, t'as pas envie d'ouvrir, juste tu regardes. Bon ben apparemment. Ouvrir une fenêtre quelque part. Ah, trop tard. Pas le temps de faire un courant d'air. Hey. Salut les enfants. Aujourd'hui que je vais être grand. Non, c'est pas encore tout à fait grand, mais tu t'en rapproches. Je vais pouvoir conduire ta voiture. Ouais, détends-toi. Toute patience. Ethan, tu peux m'aider s'il te plaît? J'arrive. On s'appelle Ethan. Ils sont tout excités depuis ce matin. J'arrivais plus à les calmer au supermarché. Tu m'étonnes. Toi, ça va bien? Réussi à travailler un peu? J'ai pas mal avancé sur les plans. Encore quelques détails à régler et on devrait être prêt à présenter le projet immobilier au client. Oh, j'ai un milliard de choses à préparer. Ça sera jamais prêt avant que les copains de Jason arrivent. T'as besoin d'aide? Tu peux me donner un coup de main? Bien sûr. Il va y avoir des assiettes dans le buffet du salon. Pas de problème, je m'en occupe. Les gosses qui jouent dans le jardin. La porte se coince souvent. Ouvre d'un coup sec. Eh ben voilà. C'est le service que nous a offert ma mère. Fais-y attention, d'accord? T'inquiète pas, je voudrais pas être responsable d'un incident diplomatique avec ta mère. Assez chiante la vieille. Donc comme je disais tout à l'heure, tout ça pour prendre le jeu en main. On s'entraîne. Oh oh oh. Oula. Il fait aller un peu fort mais ça va, elle n'est pas finie par terre. Allez gosse. Il s'éclate. Un petit courant d'air. Voilà. Ça, ça va faire du bien. Ah mais non, c'était ouvert en fait. Autant pour moi, elles sont tellement propres mes vitres. Ça y est, je suis libre comme l'air. Bon, 5 minutes les garçons, ok? Après, il faut qu'on déjeune. Les invités de Jason vont arriver. Ok, promis maman. Qui veut commencer? Moi d'abord! Non, moi d'abord! Moi d'abord. Du calme, on va faire chacun son tour. Allez, viens, Jason. On va faire l'hélicoptère. Et là, je lui lâche les mains. Allez, à ton tour. Ok, chaud. Tu es prêt? C'est parti! Allez! Oh, le toboggan! Attention à la tronche! Et voilà. Allez papa, montre-nous comment tu fais. Montre-nous tes gros muscles. Ils vont me crever. Accrochez-vous.
Allez, papa, fais des haltères, montre-leur à quel point t'es costaud. Ouais, 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 c'est toi le mâle alpha de la maison. Oh, je peux aller reprendre une douche, moi. Foncez, fiston. Bim. Je suis un maître Jedi. Allez, 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 mets-lui dans la gueule. Joli. Normal, j'ai gagné. Je suis ton père. Tous à table. Sean, le déjeuner est prêt. Je vais le chercher. Bah alors, il est parti où ? Il allait très bien ce matin, ce piaf. Dans le même genre de jeu, j'ai fait Fahrenheit en let's play. Si je dis pas de bêtises, Fahrenheit aussi était fait par Quantic Dream, mais sur PS2, donc jetez un œil au cas où. Par là-bas. Mais... Jason. 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 Mais... Jason. Je peux pas courir moi aussi là. Jason. 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 Mais... C'est pas vrai. Jason, tu ne devrais pas t'éloigner, tu sais. Il y a beaucoup de monde. Dis papa, je pourrais en avoir un. J'en voudrais tellement un. S'il te plaît, papa, allez. D'accord, on va acheter un ballon. Super. Hey, mon grand, comment tu t'appelles? Jason. Quel ballon te ferait plaisir, Jason? Le rouge. Le voilà. Ça fait $2, monsieur. Jason, attends-moi. Attends papa à lapin. Il y a vraiment beaucoup de monde.
c'est pas vrai, ouais. Se faire toutes les poches là. Monsieur, vous me devez $2. Ah merde. Putain, il reste une poche, oui. Allez, tiens. Il est où le gosse? C'est impossible d'essayer une paire de chaussures avec tout ce monde. Oui, Jason? Il était là il y a une seconde. Je lui ai acheté un ballon. Le temps que je me retourne, il avait disparu. Disparu? Comment ça, disparu? Ne bouge pas d'ici. Je vais le chercher et je reviens. Jason! La pression de n'importe quel parent, quoi. Jason! 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 Il est pas rentré là, je me suis dit un truc de BD, autant le gamin. Jason! 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 Oh, le coup de pression, quoi. Le ballon. Jason. 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 Il est où, ce putain de ballon? Jason. Jason. Attention. Jason. Il est là. Oh bordel. Putain, mais il est où ce gosse? C'est une blague. Le ballon, il est là-bas. Ah putain, cette pression, retrouve le gamin. Ah, c'est pas Jason, merde. Le ballon là-bas, derrière. Cours, 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 putain, cours, étale. Mais... Non. Merde. Merde. Jason. Papa. Jason. No. Jason.
Bien les amis, j'espère que vous avez profité de la partie ensoleillée du début du jeu. Parce que c'est terminé. On entre maintenant dans un polar noir. On a perdu notre fils. Et le jeu démarre maintenant. Salut Sean. Salut papa. Donc apparemment on est divorcé, hein. Il ne reste plus qu'un enfant. Et on le ramène chez nous. Doit être notre week-end de garde. Ouais, c'est pas notre maison d'architecte, hein. Ah vache, c'est sinistre. Ouais, t'as raison, regarde la télé, gamin. Au mieux ça que mater les murs. Ok, on va regarder le programme. Tu veux faire tes devoirs maintenant? S'il te plaît, papa, je pourrais encore regarder un peu la télé. On les fera plus tard, d'accord? D'accord, je reviendrai te voir un peu plus tard. Alors, 4h30, snack. Devoir à 6h, dîner à 7h, au lit à 8h. Et quelle heure est-il? 5h moins le quart. Allez, on va lui faire un goûter. Il n'y a pas de goûter. Du jus d'orange. Moi, je pensais pas que c'était pour moi, mais... Bon, déjà, on a bu du jus, j'aurais pu prendre la bière. Allez. Bon, où est-ce que je vais trouver un snack? Ok. Ok, ok. Dans les placards, non, il n'y a rien là. Oui, je sais, c'est le snack. C'était quoi ce bruit de porte? Sean? Il est où? Ah, il est allé aux toilettes. Ah, ça va. Bon, mais non, pourquoi j'y vais? J'ai rien à foutre là. Partons. Bon, le goûter c'est là. Le goûter. On est à la bourre même. Peut-être faim. C'est l'heure du goûter. Est-ce que tu as faim? Ouais, un peu. Je vais voir ce que je trouve dans la cuisine. On est grave à la bourre, c'est 5h20, merde. Il a fallu lui proposer pour pouvoir ouvrir. Allez, une petite barre de chocolat, ce sera toujours mieux que les chips. Tiens mon grand. Tiens.
Tiens, Sean, voilà ton goûter. Merci, papa. M'assois un peu avec mon gamin, quand même. Bon, pas oublier l'heure, hein. 6h, faut lui faire à manger. Ou les devoirs. Non, 6h les devoirs, 7h à manger. Alors, est-ce que j'ai fini de visiter le rez-de-chaussée, moi? Là, il y a les toilettes, là, il y a machin. Salle spéciale. Il pleut. On a le temps d'aller voir à l'étage, là, parce que c'est pas l'heure des devoirs. On le laisse encore un peu tranquille, hein. Ouais, je visite, hein. Et toilettes encore, mais c'est pas possible. Non, rien à faire, rien à découvrir. Ah, si. Alors on se lave les mains. Voilà. Allez, ça c'est fait. La chambre de mon gamin. Oh putain. Glock le dessin. Un spécial dehors. C'est quoi cette pièce? C'est tout mon bordel. Ah ouais, d'accord, je suis pas dans un trip Glock, moi non plus. Hey, papa, arrêtez de bouger, sinon je pourrais jamais vous filmer. Allez. On arrête ça. Ah, c'est bien, on s'est bien torturé l'esprit, là. Il y a notre gamin juste en dessous. Allez, mec, c'est pas le moment de t'écrouler, là. Faut faire les devoirs au ptio. Ça fait 2 ans. Allez, lève-toi. On n'a rien à faire là. Bon, ma chambre, on s'en fout, c'est l'heure des devoirs. Occupons-nous de notre petit. Ouais, on pourrait allumer quand même. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est? Au son de la flûte, la montagne s'entr'ouvrit et tous les enfants passèrent l'un après l'autre à travers la porte qui se referma aussitôt. Des enfants, il n'y avait plus trace et personne n'a jamais su ce qu'il en était advenu. Qu'est-ce que c'est que ça? On va faire les devoirs. Sean, tu veux faire tes devoirs maintenant? S'il te plaît, papa, je pourrais encore regarder un peu la télé. On les fera plus tard, d'accord? Non, on va les faire maintenant. Il vaut mieux s'y mettre maintenant. Comme ça, ça sera fait. Va chercher ton cartable et installe-toi dans la cuisine.
je vais venir t'aider. On va éteindre ça, hein. Sinon, il va rien suivre. À 7h, c'est l'heure du repas, on est vraiment à la bourre. Bon, on fait vite les devoirs et puis voilà. Encore pour longtemps ou... Parce que déjà quand j'étais gamin ça me saoulait les devoirs, mais de regarder quelqu'un les faire, je crois que c'est pire. Bon allez, moi je vais préparer à manger pendant ce temps. C'est l'heure de dîner. Je devrais préparer quelque chose pour Sean. Bon alors on va ouvrir le frigo. Grace à la garde de Sean ce week-end. Je crois qu'il est impatient de retourner chez sa mère. Ça y est, j'ai terminé. Je peux aller regarder la télé ? Fais voir avant. Laisse-moi jeter un œil. C'est bien. On dirait que tu as terminé. Tu peux y aller. Bon alors, faire à manger, faire à manger. Ça se passe comment? Comment ça pas dîner? On va dîner. Tant pis si c'est un peu tard. Bon, c'est vous qui a bouffé là. Bon, on va laisser allumer un peu de partout, j'y vois que dalle. Pourquoi pas dîner? Je veux dîner. Je veux faire à manger à mon gosse. Qu'est-ce qu'il y a? Faut attendre 8 heures? Mais non, c'est à 7 heures qu'il fallait manger. C'est pas possible. Il y avait une pizza, j'ai vu dans le frigo. On peut pas aller la prendre là? Pourquoi je peux pas ouvrir ce putain de frigo? C'est pas vrai. Tueur aux origami, une 7e victime identifiée. La police a confirmé que le mode opératoire était bien celui du tueur aux origami. Est-ce que tu veux que je te prépare à dîner? Je veux bien, je commence à avoir très faim. Bon, je vais voir ce que je peux te préparer. D'accord, fallait lui parler avant pour pouvoir ouvrir le frigo. Bon, ça c'est un petit peu con, mais... Allez, qu'est-ce qu'on va faire? Allez, c'est parti, on va cuisiner. Un micro-ondes, génial. Tu parles de cuisine, toi? Allez, Sean, c'est prêt, viens manger, miam miam. T'es fait ta gamelle. Ça a l'air un peu sec, hein. Tu peux venir, Sean? Le repas est prêt. J'arrive. Allez, on éteint ça.
je vais m'asseoir avec lui. Hein. Quoi, je peux prendre un fruit, moi. Et il part pas là-bas. Ok, bon, ben on va jongler. Ça, au moins, je sais toujours le faire. Waouh, je savais pas que tu savais jongler. Ça faisait longtemps que j'avais pas essayé. Tu crois que je pourrais apprendre, moi aussi? Bien sûr, je te montrerai si tu veux. Bah, c'était un petit moment sympa avec mon fils, voilà. Ça me donne la dalle de le voir. J'aurais dû me faire chauffer à pizza. Il y a une ambiance, et ça donne envie. On doit être à la bourre pour le coucher là, mais d'une force. Ouais, 20h c'était au dodo, hein. Bon, on va se coucher. C'est l'heure d'aller au lit pour Sean. Non, allez, allume pas la télé, Mino. On va se coucher, Sean. Il est tranquille devant la télé. Autant le laisser encore un peu. Ouais, je vais m'asseoir avec, va. Ça te dirait qu'on joue à quelque chose ensemble? Je préfère regarder la télévision. Ah ouais, il fait plaisir, lui. Bon. Tu veux qu'on parle un peu? Parler de quoi? Je ne sais pas, de toi, de tes copains. De ton dessin dégueulasse? Rien de spécial. Comment ça se passe à l'école? Est-ce que ta maîtresse est sympa? Tout va bien, papa. Allez, Sean, c'est l'heure d'aller au lit. Ouais. Tu es encore fatigué. Est-ce que je pourrais rester encore un peu? Allez, va. D'accord, on va attendre un peu avant d'aller te coucher. Ouais, je suis coulant comme papa, hein. Mais ça, c'est parce que je culpabilise d'en avoir perdu un. Alors, lui, ben, je le pourris. Je sais, c'est pas à faire non plus. Bon, allez, viens, on y va. Allez, Sean, c'est l'heure d'aller au lit. Tu n'es pas encore fatigué. Est-ce que je pourrais rester encore un peu? Non. Ça ne serait pas raisonnable, Sean. Tu as école demain. Il faut que tu ailles te coucher. D'accord, j'y vais. Tu viens avec moi? Brosse-toi les dents et mets-toi en pyjama. Et je te rejoins. Je vais éteindre. Je peux pas éteindre. Ah non, je peux pas. Il veut pas. La lettre que j'ai reçue, j'aime pas. Hein. Je suis pas tranquille. Allez. Allez, viens. Et ce dessin là. Bonne nuit, Sean. Mon nounours, j'ai pas mon nounours, papa. Tu l'as sûrement laissé quelque part dans la maison. Tu n'as pas une idée où il peut être? Non, papa. S'il te plaît, je peux pas dormir sans lui. Je sais où il est sur la machine à laver. La maison pour voir si je le trouve, ok? Ah, papa, mon héros. Allez, on descend, je sais où est ce truc.
Dommage qu'on puisse pas accélérer le pas un peu, hein. Pardon, excusez-moi. Toujours cette bronchite qui traîne, mais elle ne m'empêchera pas de faire des let's play. Alors, il est où le nounours? Il est censé être là. Allez. Je suis trop balèze, hein? Ah, dis-le que tu m'aimes. Pas de soucis, mon pio. Faute ce qui est arrivé à Jason. Bonne nuit, Sean. Allez, bonne nuit, mon petit. Qu'est-ce qui se passe? Crise d'angoisse? Ouais, je vais pas bien quand même, hein. Où là, c'est quoi ce délire? Une origami? Sean? Bah, je suis shooté ou quoi? Il se passe quoi là? Eh bien les amis, on va s'arrêter là pour ce premier let's play, puis se garder un peu de suspense pour la suite. J'espère que ça vous a plu, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu. C'était Loul5100, abonnez-vous, ciao ciao ciao.